L'Abidjan Basket Club, l'ABC, a enregistré sa troisième victoire d'affilée ce samedi 23 janvier 2021 au Palais des Sports de Trècheville en dominant l'Africa à l'occasion de la quatrième journée du championnat national. 103 à 45, c'est le score final de cette rencontre. Considérée comme la grande affiche de cette journée, l'opposition ABC Africa a tourné au cauchemar pour le club vert et rouge. Konaté, Stéphane et ses coéquipiers ont été irrésistibles durant cette partie. Ils ont dominé les Aiglons du premier au dernier quart-temps pour s'imposer avec un écart de 58 points. Selon Konaté, Stéphane, l'ABC puise sa force dans son collectif et son expérience. Ce championnat, je pense que c'est un collectif. Déjà, l'ABC quand même 15 fois champion de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un petit palmarès. Je pense qu'il y a une base. Et cette base-là qui est vraiment solide, qui permet de faire un peu de tous les niveaux. Et bon, voilà. Dieu merci pour le moment, ça marche. L'Africain, pour sa part, totalise 3 défaites en autant de matchs. Des contre-performances à mettre à l'actif, selon Jean-Simon Santos, à la jeunesse de cette équipe. Nous avons une équipe très jeune, très très jeune. Il y a un ou deux ans, la grande équipe d'Africa a été disloquée, mais les joueurs sont partis un peu partout. Donc là, c'est carrément une nouvelle équipe avec 90, il y a 95% de jeunes. On n'est que 3 anciens. Donc c'est pas facile, mais pour certains c'est leur première fois de jouer en première division. Donc là on a essayé de jouer, mais bon, l'ABC c'est le champion en titre. Le champion en titre, l'ABC, affrontera le samedi prochain la Jeunesse Club d'Abidjan à la faveur de la cinquième journée du championnat national de basket.